amis téléspectateurs d'Eventures TV, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le professeur Gomez, historien égyptologue. Bonjour, professeur. Bonjour. Nous allons ensemble échanger sur le thème de la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la réconciliation, bilan et perspective. J'aimerais noter que ce thème devait être l'objet d'un débat entre professeur Gomez et le docteur Franklin Niamsi. Mais malheureusement, en raison de son agenda politique et académique hyper chargé, il n'a pas pu répondre aujourd'hui à notre invitation. Ce sera pour la prochaine fois. Professeur, je suis avec vous. Comment allez-vous? Ça va. Ensemble, nous allons évoquer et essayer de comprendre aujourd'hui le bilan et les perspectives de la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire. 4 années après le déroulement, après le dénouement tragique de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la fameuse réconciliation annoncée par les belligérants eux-mêmes et la communauté internationale, pourquoi cette réconciliation-là, d'après vous, tarde à venir et elle à se concrétiser dans les faits? Comme vous le savez, la personnalité du président Alassane Dramane Ouattara est une personnalité clivante, dans la mesure où, au moment de son irruption sur la scène politique en Côte d'Ivoire en avril 1990, il est apparu un peu comme la personne qui a cristallisé les passions autour de 2 questions. Celle de sa nationalité et celle de son éligibilité. Il se trouve que le président Houphouët-Boigny avait été contraint par les institutions financières internationales suite à la crise économique due à la chute des cours des matières premières stratégiques de la Côte d'Ivoire, notamment le cacao, de prendre un professionnel de la gestion des crises. Depuis 1990, donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire ne fonctionne plus dans un climat d'apaisement, dans la mesure où, entre 1990 et 1993, date de la disparition du président Houphouët-Boigny, il s'est passé un certain nombre d'événements, notamment la question de la charte du Nord, qui a focalisé les débats sur des questions régionalistes et autres. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas prendre des hommes qui ne sont pas consensuels pour faire une réconciliation qui, par définition, nécessite la culture du pardon. C'est la raison pour laquelle je voudrais proposer une hypothèse pour votre réponse, à savoir que on ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas déjà le rétablissement de la vérité historique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au moment de la crise post-électorale? En fait, beaucoup de gens, je ne vais pas citer, et je vais être très précis. Il y a un chercheur français qui s'appelle Jean-Pierre Dozon, qui a écrit un ouvrage qui a été très médiatisé. L'ouvrage est intitulé « Les clés de la crise ivoirienne ». La thèse qu'il soutient, c'est que le président Laurent Gbagbo, après avoir subi une défaite électorale, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale et a précipité son pays dans la crise. La thèse que nous soutenons en ce qui nous concerne est celle-ci. La crise post-électorale est l'épilogue d'un coup d'État permanent qui a commencé en 2002, qui a connu plusieurs soubresauts. Et ce coup d'État a abouti à une guerre. C'est une guerre, ce n'est pas le refus d'une élection. C'est une guerre qui s'est passée avec l'implication de la force licorne, avec l'implication de l'ONUCI, et le tout en appui au commando invisible pour pouvoir donc enlever un chef d'État du pouvoir dans des conditions que la communauté internationale elle-même. D'ailleurs, quand on parle de communauté internationale, on parle en réalité de 5 pays. Et dont 3 qui ont une majorité automatique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et bien, la dite communauté internationale est d'accord sur un point. Depuis le 11 avril 2011, la réconciliation est un slogan qu'on brandit pour cacher l'absence de légitimité d'un régime illégitime. Professeur Gomez, oui. En vous entendant, vous êtes en train de nous dire que c'est
le président Alassane Ouattara n'est pas intéressé par la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que la réconciliation est un slogan politique très habile, d'accord ? Et qu'on a même été jusqu'à créer une institution qui se trouve être une commission spécialisée à cet effet. Oui, nous allons y arriver. Voilà. Mais donc, pour l'instant, oui. Pour vous, expliquez-nous. Comment on n'arrive pas à y arriver quand les belligérants, c'est-à-dire lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo au Golfe, oui. Il a demandé que voilà, l'aspect oui. armé, oui. l'aspect armé de la crise est passé. Mm-hmm. Il voulait qu'on passe à la partie civile oui. pour résoudre la crise. Et le président Alassane Ouattara, après sa prise de pouvoir en 2011, lui aussi a prôné cela. La communauté internationale, si je peux me permettre, comme vous le dites, oui. appelle aussi à la réconciliation oui. nationale en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous présentez, à vous entendre, c'est soit le président Alassane Ouattara, du moins, fait preuve de mauvaise foi. Je pense qu'il y a, je crois, un problème au niveau de la réception de ma réponse. Je n'ai jamais parlé du président Alassane Dramane Ouattara comme obstacle à la réconciliation. J'ai dit que la réconciliation concerne le peuple ivoirien. Il y a eu 4000 morts. Il y a eu des milliers d'exilés. D'accord ? Il y a des gens qui ont perdu leurs droits, leurs maisons, qui ont tout perdu. Ce sont eux les véritables protagonistes de la réconciliation. La réconciliation, justement, c'est le contraire que je dis, ne peut pas se décréter. Ce n'est pas un décret. Regardez l'expérience sud-africaine. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est qu'on a réuni ceux qui ont commis les exactions des deux côtés. D'accord ? Et ceux-là ont été entendus. Et à partir de là, Desmond Tutu est le groupe qui coordonnait ce processus de réconciliation ont posé une question. Simple. Est-ce que nous pouvons faire une réconciliation sans justice? Est-ce que si on ne rend pas justice aux victimes, hein, parce que vous avez parlé du président Ouattara, mais pour moi ce qui importe sont les victimes. D'accord? Alors, toutes les familles ayant été endeuillées, je prends un exemple, les familles de Doué-Coué, par exemple. On a considéré que les exactions qui ont été commises n'étaient pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Cela pose un problème. Monsieur Ouattara vient de dire que où est-ce qu'on a déjà vu une justice des vaincus opérer ? Sous-entendu que quand on est vaincu, on ne doit plus réclamer forcément justice. Vous comprenez ? Donc la question que je soulève, et on ne la soulève jamais sous cet angle, c'est ça l'originalité de notre discussion ce soir. Elle est simple. Qu'est-ce qui prouve que Laurent Gbagbo est le seul comptable, avec les membres de sa mouvance, des crimes et des exactions qui ont été commises? La seule façon de répondre, c'est est-ce que Laurent Gbagbo a gagné ou perdu les élections? Et pour nous, Le juge du dernier procès en assises oui. a prononcé un verdict dans lequel, pour lui, aujourd'hui, les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les victimes qui sont issues de la crise post-électorale, sont dues au fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas respecté les verdicts de lui. Donc, d'accord. Il est responsable de tout ce qui est arrivé. Très bien. Vous soulevez donc une question et vous avez bien fait de prendre une précaution d'usage. À savoir que les juges disent que le président Laurent Gbagbo a perdu les élections. Moi, j'affirme ceci. La certification des résultats donnant comme vainqueur l'adversaire de Laurent Gbagbo, à savoir Ouattara, n'était pas prévu dans le document qui a été établi par l'ONU. Si on prend la résolution 1765 du 16 juillet 2007, cette résolution insiste sur le fait que l'instance qui, en dernière analyse, doit prononcer le verdict des urnes, c'est le Conseil constitutionnel ivoirien. On n'a pas donné mandat. Et c'est là où il y a l'ambiguïté. On n'a pas donné mandat à cette instance informelle que j'appelle l'ONUCI, notamment M. Choi et ses collaborateurs. On ne leur a jamais donné mandat de prononcer un verdict quelconque. En tout état de cause, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un conseil constitutionnel prononce un verdict et que derrière ce verdict, une institution qui, elle, n'est pas
accrédité, n'est pas là pour prononcer le verdict de façon décisionnelle, se permet de dire que la décision du Conseil constitutionnel d'un État n'est pas valable. Je prends l'exemple des États-Unis. Al Gore a eu les votes de collège de votants. Il a eu la majorité. Mais il se trouve que le Conseil, si vous voulez, suprême, hein, des États-Unis, a décidé que c'est Bush qui l'a emporté. Il n'y a pas eu de bombardement. Il n'y a pas eu de mort à cette occasion. On a recompté les voix et on a dit simplement que le collège en question, sa décision n'est pas susceptible de recours. Donc c'est là où nous disons qu'il y a un problème de souveraineté. Parce qu'à partir du moment où on vient et qu'on piétine la loi fondamentale d'un pays, ce qu'on ne peut jamais faire pour un pays occidental, à partir de ce moment-là, nous parlons de coup d'État constitutionnel, nous ne parlons plus d'une décision de certification. Professeur Gomez, revenons sur la question de la réconciliation nationale. À cet effet, il a été mis en place une commission récemment qui a fini son travail, une commission dialogue, réconciliation, vérité, qui était dirigée par M. Charles Konan Bani, aujourd'hui candidat déclaré à la présidentielle de 2015. Pour vous, quel est le bilan de cette structure? Mais dès lors qu'il se déclare candidat, ça veut dire qu'il n'y a pas de bilan. Vous voyez bien, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a choisi une personnalité qui elle-même n'est pas neutre. Souvenez-vous des péripéties, les accords de Marcoussi et autres, et il était pressenti pour dépouiller en quelque sorte le président Gbagbo. Vous êtes en train de préjuger de son travail. Non, je ne suis pas en train de préjuger, je juge a posteriori. Mais ses conclusions n'ont pas encore la conclusion de son travail. Mais je vous donne donc une information. Puisque vous ne semblez pas être informé. Parce qu'il les a déposés à la présidence, pour l'instant, ils n'ont pas encore été rendus publics. Eh bien, c'est public. Ah bon? Oui. Vous les avez trouvés où? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Bon, donnez-nous les conclusions de... Voilà, c'est-à-dire, ces conclusions ont été données récemment dans une réunion sur l'Afrique de Parti Socialiste Français, où on a donc constaté que la réconciliation qu'on avait posée comme le préalable à toute élection transparente, cette réconciliation n'a pas abouti dans le cadre de la Côte d'Ivoire et qu'on va aller quand même aux élections au forceps. Ce qui est une façon de dire, quels que soient les contentieux existants, notamment au niveau de la commission électorale indépendante, dont le responsable se trouve être celui qui est parti à l'hôtel du Golfe prononcer un résultat, hein, sous autorité étrangère, etc. Les problèmes aussi d'insécurité. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que derrière les FRCI, qui sont en fait une armée de complaisance composée de rebelles, il y a également des supplétifs d'Ozo qui n'arrêtent pas de créer un climat d'insécurité endémique. Comment peut-on aller aux élections dans un tel climat sécuritaire? Et puis, dernière chose, il faut savoir que avant d'aller aux élections, les différents partis... Revenons sur le... Non, je finis. Les différents partis, le FPI, le RDR... Et tous les autres partis se mettent ensemble pour voir comment les élections vont se dérouler. Ce que nous voyons actuellement, ce n'est pas du tout ça. On voit tout simplement que les gens sont obligés d'aller à des élections sans que les conditions d'une élection transparente, n'est-ce pas, ne soient actuellement réunies. Donc moi, je dis, tant qu'il n'y a pas ces conditions, on ne peut pas parler de réconciliation parce que c'est une façon d'aller tout droit vers une nouvelle crise qui sera cette fois-ci une crise institutionnel, mais qui peut avoir des conséquences au niveau sécuritaire pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi dites-vous que nous allons probablement bien clairement vers une autre crise? Ce n'est pas les mêmes ingrédients qui sont plantés là. Mais les ingrédients se sont même aggravés, monsieur. Ah bon? pour votre information, je vous dis d'ailleurs que, vous savez, actuellement, il y a même des tentatives pour empêcher un parti politique qui se trouve être le PDCI-RDA de présenter un candidat alors que sa base souhaite qu'il y ait un candidat. Non, il y a eu un congrès où le PDC monsieur, il n'y a pas eu ce n'est pas un congrès, c'est la direction qui a décidé suite à l'appel du président, à l'appel de Daoukro. Il y a Kakabé par exemple qui n'est pas sur la même ligne. Il y a beaucoup de militants du PDCI qui ne sont pas sur la même ligne. C'est la liberté, ils peuvent ne pas être sur la même ligne. Je ne conteste pas cela, mais quand vous me parlez d'un congrès unanimiste, je dis que c'est une interprétation que vous faites
de la situation. Ce n'est pas la réalité. C'est un fait. Monsieur Konambani, il est de quel parti? Il est du PDCI. Il a annoncé sa candidature. Pourtant, il sait qu'il y a l'appel de Daoukro. Donc, tous ces faits montrent qu'au sein du PDCI, même, il y a un débat interne. J'ajouterai, enfin, que s'agissant du FPI, il y a eu une opération qu'on appelle une sorte d'OPA pour prendre le parti. Opération dans laquelle M. Afinguessan est impliqué. Et on sait aujourd'hui que la base du parti n'a pas pu se prononcer parce qu'on a empêché. Qui lance cette OPA sur le FPI? Je dis que celui qui lance l'OPA sur le FPI... Vous dites des choses fortes. Apportez-nous des éléments. Mais écoutez... Professeur, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça à vos téléspectateurs sans apporter des éléments prouvants. Ce que vous dites, c'est un peu comme si vous étiez en train de jouer à un jeu politique. Je ne joue aucun jeu. Parce que je vais vous dire quelque chose. Monsieur Afinguessan a saisi la justice de l'État pour empêcher le déroulement d'un congrès de son propre parti, dont il est censé être le président. Ne trouvez-vous pas que c'est antistatutaire? Deuxièmement, Monsieur Afinguessan décide qu'une minorité qui le suit, parce que nous savons aujourd'hui que le parti n'est pas composé uniquement de gens partisans d'Afinguessan et de sa ligne de collaboration au niveau du système institutionnel. Il y a des gens, par exemple, des gens qui ont une légitimité historique, Abdourahmane Sangaré, par exemple. Il y a des gens qui ont eu 20 ans de prison, là, comme Madame Simone Babo et Yves. Et puis, il y a d'autres qui, aujourd'hui, sont toujours menacés par une justice qui a tendance à être sélective. C'est-à-dire qu'elle donne des moyens de sursis à M. Afinguessan, mais condamne lourdement des gens qui ont les mêmes charges. Donc, c'est sur cette base que je m'autorise à dire qu'il y a au sein du FPI une tentative d'instrumentalisation du parti pour aller à des élections qui, apparemment, d'après les protagonistes, seraient jouées d'avance. Je vous donne un exemple, ce sera le dernier. Monsieur Soro Guillaume vient d'annoncer, dans une déclaration publique, que tout sera fait pour que Ouattara puisse gagner en 2015. Et il ajoute que lui-même se positionne pour 2020. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'il y a un certain nombre d'intellectuels de complaisance comme M. Franklin Nyamsi, qui a fait preuve d'une dérobade au cours de ce débat. C'est d'ailleurs courant dans les milieux pseudo-scientifiques politisés. On fait des déclarations incendiaires, on s'en prend à Hippo, au motif qu'il n'aurait pas de diplôme, mais ce qu'on évite de faire, c'est le débat contradictoire. Je lance donc un appel sur votre plateau pour un futur débat avec M. Franklin Nyamsi ou avec toute autre personne qui serait capable de justifier l'injustifiable. Pour l'instant, nous revenons à la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. À vous d'entendre, aujourd'hui, la réconciliation concerne que les élites politiques en Côte d'Ivoire. Pourtant, les populations ivoiriennes qui sont les premières concernées dans la question ne sont pas prises en compte, ne sont pas intéressées à cette question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Pour vous aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un élément qui a concouru à ce qu'aujourd'hui ce processus de réconciliation là soit un peu enrouillé ou enrhumé? Je pense que vous avez parfaitement raison à ce détail près que je n'ai pas dit que ça concerne uniquement les élites. J'ai dit que ça concerne les populations. Les explications que vous avez données. Oui, j'ai dit que ça concerne les populations. Je vous l'ai dit depuis le départ. Ce sont les populations qui passent à la trappe. On n'en parle pas. On parle comme si tous les morts, les réfugiés qui sont toujours au Libéria, au Bénin, des professeurs d'université ivoiriens qui sont obligés de faire taxi-moto au Bénin. J'ai des exemples précis. D'accord? On fait comme si tout cela, leur sort était déjà réglé, scellé, et que ce qu'il faut faire simplement, c'est de nouveau faire une élection frauduleuse. Je parle d'une élection frauduleuse parce qu'on ne peut pas contrôler les résultats dans les zones contrôlées par les rebelles. Donc, un des points les plus importants, j'attire votre attention sur ça parce que c'est quelque chose de très important. Tous les accords, l'accord de Lomé, l'accord d'Accra 1, Accra 2, Pretoria, Marcoussi, tout ça insiste, Ouagadougou insiste sur le caractère incontournable du désarmement des rebelles. Peut-être que l'histoire retiendra que le président Gbagbo, pour avoir la paix, a été amené à faire des concessions qui sont énormes. Donc pour moi,
toutes les conditions pour qu'il y ait de nouveau un conflit post-électoral sont réunies, parce que je ne vois pas qui aujourd'hui peut contester des élections frauduleuses en Côte d'Ivoire. Merci de nous égrener toutes les conditions pour aller à une crise, mais est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui les conditions pour aller à la réconciliation? Très bien. Pour moi, il y a d'abord une première chose, c'est que toutes les victimes, je ne parle même pas du camp uniquement de la LMP ou du président Gbagbo, toutes les victimes, y compris celles qui appartiennent au camp du président Ouattara, toutes les victimes puissent obtenir justice. Il y a d'abord une manière d'obtenir justice, c'est de reconnaître que les crimes de sang sont par définition imprescriptibles, c'est universel. La deuxième chose, c'est de voir comment les gens peuvent éventuellement bénéficier d'un certain nombre de mesures compensatoires de la part de l'État ivoirien. Parce que l'État, il y a continuité de l'État. Ce n'est pas parce que M. Ouattara est là que ce n'est pas le même État ivoirien. C'est le même que depuis Oufouébouaïm. Donc ce que je veux dire, Ouattara est en train de faire quelque chose qui va, à mon avis, provoquer un drame en Côte d'Ivoire. Ouattara est en train d'ethniciser l'État. C'est ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. L'État, ce n'est pas la propriété d'une partie du pays. Professeur, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour aller à la... La deuxième chose, j'ai déjà donné la première mesure, imprescriptibilité des crimes de sang. Deuxième mesure, une justice qui tienne compte aussi des exactions dans l'autre camp. Il ne faut pas que ce soit une justice à charge pour un seul camp. Donc, il y a des gens que tout le monde les connaît. Hein? Ouattara, Fofier, Toué Fosier, tous ces gens-là, ils font partie d'un camp. Ils n'ont jamais été inquiétés, ni par la justice ivoirienne, ni à plus forte raison par la Cour pénale internationale, qui semble s'être fait une spécialité, celle de la poursuite exclusive des gens qui appartiennent au camp du président Gbagbo, ce qui n'est pas une meilleure façon de faire la réconciliation. Donc, cette mesure, je la résume, il faut que la justice vaille pour tous. Troisième chose, et c'est le dernier point avant la réconciliation. Pour moi, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça nécessite aussi que les acteurs extérieurs, je parle notamment de la France, à travers la France Licorne, je parle de l'ONUCI, je parle aussi des ONG, dont certaines sont financées par des gens qui ont soutenu Ouattara, comme effectivement le milliardaire George Soros. Je pense que tous ces acteurs doivent également laisser les Ivoiriens régler leurs problèmes internes. Je pense qu'il faut absolument une conférence nationale de réconciliation. Et cela ne peut pas se faire si le président Gbagbo n'est pas libéré, si le ministre Charles Blé Goudé n'est pas libéré et si Mme Simone Gbagbo n'est pas libérée. Pourquoi ? Parce que ce sont les trois personnes sur lesquelles on a concentré toutes les charges de cette crise post-électorale. On a dédouané tous les criminels et on a mis en prison ceux qui ont œuvré pour la paix. Je pense que c'est une véritable innovation juridictionnelle. Il ne me semble pas avoir vu ça dans l'histoire contemporaine de l'humanité. Et donc, de ce point de vue-là, le président Laurent Gbagbo, pour moi, c'est l'homme que tout le monde veut aller voir maintenant. Tous les candidats. D'ailleurs, vous avez vu ce paradoxe. Sur cette question, il y a Kwadio Konan-Bertin, Kadi Kakabé, qui est récemment allé rendre visite au président Laurent Gbagbo. Et lors d'une conférence ici à Paris, qui a annoncé que la réconciliation en Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo était incontournable dans la crise, dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui détient la clé de la réconciliation? Laurent Gbagbo est le principal acteur de la réconciliation. Dans la mesure où... Ça passe par Laurent Gbagbo et Ouattara assis face à face. Non, il n'y a pas que Laurent Gbagbo et Ouattara, justement. Il y a le peuple ivoirien qui leur survivra. Il y a les jeunes générations qui vont venir. Tout mon propos, c'est justement de montrer qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir de toute une nation. En fait, cette histoire de bras de fer entre Ouattara et Laurent Gbagbo, c'est quelque chose qui va hypothéquer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc ce que je suggère, c'est que le président Laurent Gbagbo, dont manifestement on veut s'atteler à envisager la mise à l'écart de la scène politique, et évidemment, on a également fait la même chose pour celui qui apparaît comme son héritier putatif, à savoir le ministre Charles Blé Goudé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on va faire le même procès, d'accord ? Et moi, je pense que ce procès-là,
risque d'être le procès du néocolonialisme, de l'impérialisme français, ce procès-là. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il y aura un déballage de tout ce processus qui, depuis 2002, a amené la Côte d'Ivoire au bord du précipice. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Ivoiriens, et lui-même l'a a écrit, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire, et à qui il assumait la responsabilité de la rébellion en Côte d'Ivoire qui a fait beaucoup de victimes en son temps. Aujourd'hui, quel est votre avis sur ce jeune leader politique qui ambitionne certainement, qui a des ambitions, je dirais, nationales, présidentielles pour 2020, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure? Il y a eu un article apologétique qui a été rédigé dans Jeune Afrique sur lui. Généralement, quand on est adoubé par Jeune Afrique, et c'est parce qu'il y a un destin qui se pointe, qui se présente. J'aimerais ajouter à ce sujet que sur ce plateau de D21 TV, je recevais le docteur Franklin Amsi qui a évoqué, qui a dit que la rébellion qu'a faite Guillaume Soro était salutaire. Répondait, c'était un acte de légitime défense. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Niamsi, il ne me semble pas qu'il soit le mieux placé pour parler de ce qui est salutaire ou ce qui ne l'est pas en Côte d'Ivoire. Pour une raison simple. Il dit que vous êtes en... Pour une raison simple. Monsieur Niamsi soutient le président du Cameroun qui est au pouvoir depuis 33 ans. Ah bon? Je dis qu'il le soutient. Non seulement il le soutient, mais il fait... Il est vu comme un opposant. Non! Vous savez, en Afrique, il est des opposants qui vont chercher leur pitance la nuit dans le palais. Eh bien, monsieur Niamsi en est. Hein? Il s'agit donc de cette catégorie d'intellectuels mercenaires. Hein? Et ils sont nombreux comme ça. Il y a Tiburce, un certain Tiburce qui lui-même parlait d'ivoirité et qui va sur le plateau maintenant pour attaquer le président Gbagbo, qui lui n'a jamais prôné l'ivoirité. Il y a Venance Kona. Il y a tout un groupe d'intellectuels mercenaires, Revenons sur Guillaume Soro, voilà. Qui aujourd'hui a des ambitions présidentielles à partir de 2020. Oui. Votre avis sur cet ancien chef de la rébellion en Côte d'Ivoire? Monsieur Guillaume Soro a écrit un livre qui est pour moi un best-seller de ce que j'appelle l'irresponsabilité politique. Il a dit comment il est devenu rebelle. Hein? Comment lui, il est devenu rebelle. Et dans ce livre, monsieur Guillaume Soro a dit une phrase qui le disqualifie en tant que candidat potentiel. Cette phrase est la suivante. Il faut, par tous les moyens, que la rébellion déloge le pouvoir élu. Donc, quand on dit par tous les moyens, ça veut dire y compris par la violence. Et le président, Laurent Gbagbo, malgré les morts qu'il y a eu en 2002, je pense ici à Bogadougou et d'autres, malgré cela, il lui a donné une chance. Parce que c'était un des jeunes qui était sous sa protection. Quand il était à la FESI, avec les Blé Goudé et autres, c'est la même génération, et il lui a donné une chance en le nommant à la primature. Est-ce qu'il a désarmé les rebelles? Non. Il est resté à la primature, il a profité de l'argent public pour se faire encore une influence pour ensuite rejoindre Ouattara. Donc, pour moi, le parcours même de Guillaume Soro, en fait, non pas un candidat respectable, mais quelqu'un qui va, à terme, créer de nouveau des problèmes à la Côte d'Ivoire. En 2020, Guillaume, et d'ailleurs, je termine sur ça, M. Guillaume Soro ne peut parler de 2020 que parce qu'il considère que 2015 s'est déjà joué. Est-ce le point de vue d'un démocrate? Rapidement, nous allons finir notre émission. Oui, question de temps. Le professeur Gomez, 2015, à vous entendre aujourd'hui, 2015, les élections ne vont pas nous permettre de sortir de la crise. À vous entendre, elles vont nous enfoncer d'un cri qui sera davantage plus grave que celle que nous avons vécue en 2011. Non, vous préjugez de ce qu'on peut appeler le futur. Nous ne sommes pas des futurologues. Nous sommes tout simplement des analystes politiques. D'après moi, il y a trois scénarios de sortie de crise en Côte d'Ivoire en 2015, en octobre 2015. Le premier scénario, c'est le statu quo, c'est-à-dire des élections qui vont se faire sous contrôle des belligérants du camp Ouattara et de l'ONUSI, et qui vont aboutir à une réélection frauduleuse de Ouattara. Je pense que la société civile ivoirienne ne se laissera pas faire. Il y a des forces qui, aujourd'hui, sont opposées à ce processus. Parmi ces forces,
il y a tous les patriotes de quel parti que ce soit. Vous avez parlé de Kakabé, voilà, en courant, donc, qui pourrait se joindre au courant du FPI. Rapidement, donc premier scénario, voilà. On ne sort pas de la crise, c'est on s'enfonce. Une raison de plus pour s'enfoncer dans la crise. Très bien, c'est ce que souhaite. Deuxième scénario. Deuxième scénario, c'est le scénario A du syndrome Compaoré. C'est-à-dire que, pendant que Compaoré disait qu'en tant que parrain de la rébellion, il a l'assurance absolue de se représenter en tripatouillant la Constitution, et bien le peuple est sorti. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle le balai citoyen. Et bien, c'est donc un deuxième scénario que Ouattara ne peut pas éluder. Donc, une deuxième situation de crise. Oui, parce que... Troisième scénario, à ce moment-là, il faudrait que les différentes forces politiques puissent s'asseoir pour discuter de cette crise et pour trouver une solution. Mais pour s'asseoir, il faut que, comme on l'a fait pour Nkrumah à l'époque, on sorte Gbagbo de prison. Parce qu'on ne peut pas discuter avec des prisonniers. On ne peut pas aller voir des prisonniers pour discuter comme ça. Donc, je pense que c'est une conférence nationale de sortie de crise qui permettrait alors aux acteurs qui jusqu'ici n'ont pas eu leur mot à dire, c'est-à-dire les citoyens conscients de la situation de leur pays, de la tragédie ivoirienne, ces citoyens vont se mettre ensemble et vont laisser de côté les clivages ethniques, les clivages partisans, et vont penser à ce qu'on appelle la survie collective du peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien le mérite, parce que c'est un des peuples qui, dans la sous-région, je tiens à le dire à la fin de cette émission, a le plus accueilli les Africains. Moi, je suis béninois, les Simplice Zissou et autres ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Les Sénégalais Thiam ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de problème de xénophobie en Côte d'Ivoire. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que les problèmes de xénophobie n'ont commencé qu'à partir du moment où le monsieur même qui a créé les cartes de séjour pour les étrangers, Ouattara, est devenu un acteur clé du processus ivoirien. Et donc, je pense que même Ouattara a intérêt aujourd'hui, compte tenu de l'état de déliquescence du pouvoir. Il a intérêt aujourd'hui à ce qu'on aille vers une telle conférence nationale de réconciliation. Merci, professeur Gomez. Chers téléspectateurs d'Eventure, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup d'intérêt à la préparer. Merci beaucoup, merci mon frère. Merci.